Ah, mes viewers, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures vampiriques. La suite et la fin, j'imagine. Parce que. C'est la merde. Alors, où est-ce que je suis assiégé, tu m'as dit? Ok. T'es qui, toi? D'accord. Ouais, voilà, le truc un peu, c'est de réussir à ramener cette armée à Aldorf au plus vite. Au fond, là, il reste 1, 2, 3, 4 tours. Il me reste combien de temps avant de... 4 tours, bah, d'accord. Bon, bah, c'est bien fait, tout ça, c'est bien fait, hein. Alors, tabaleim, hop là, ça, tu me montes ça, merci. Tu me montes ça, merci. Un petit bras zéro des familles et des fortifications. Ok. Ça, on s'en fout. Ici. Ah, je produis du marbre, c'est formidable. J'ai pas d'amis. J'ai pas de partenaires commerciaux, mais c'est cool quand même. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que je te dis, moi. Paiement, je sais même pas si j'ai 4000 balles, allez. Pour moi, c'était vraiment le... Voilà, le moyen de, éventuellement. Moins 8% pour les ghouls des cryptes. Voilà, c'est bien ça. Ça, niveau pognon, oh, c'est plutôt cool. Pas grave, c'était prévu ça. Pas prévu. Tiens donc. Écoutez, on va rien dire. Qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai pas. Je peux tout comprendre. J'ai pas bien compris le sens de... J'ai pas compris. Bah oui, d'accord, mais c'est que les murs d'Aldorf sont énormes, quoi, c'est tout. Je devais avoir plein de tourelles de la mort qui tue. Bon bah écoute, c'est cool, hein. Refuser la créature, va te faire foutre. C'est où ici le Whistleland, c'est quoi ça? Ah oui, c'est nul. Je tente ça? Écoute, hey, c'était couillu, mais Archaon est rentré chez sa mère. Ça c'est génial. Bras zéro. Alors, qu'est-ce qu'on peut recruter ici? Oh non, il y a juste des seigneurs vampires. Cette défaite d'Arcaon m'a. Je m'y attendais pas. Hein, je m'y attendais pas. Bon bah Manfred, dis-nous mon pote. Ok. Non, 4 cavaleries comme ça, c'est largement bon.
Ouais, même deux quoi, franchement même deux c'est bien. Ça j'aurais deux très rapides et deux très très puissantes. Deux Terror Geist, d'accord. Ça, ça les fait bien chier dans leur froc, c'est bon. Non mais ici, j'investis même pas. J'investis même pas, c'est pas la peine. Donc ça, c'est la fameuse armée qui peut-être éventuellement, avec les troupes que j'ai mis dedans, faire un petit quelque chose, quoi. C'est qui m'a pété la gueule, là? Balthazar Gelt, c'est l'Empire. Non mais sinon, l'Empire est le chaos, vous avez qu'à vous allier et puis me péter la gueule. Qu'est-ce que t'en penses? Ami chaotique, bonjour. Ah mais sinon, tu t'emmerdes pas, je veux dire, c'est vrai, quoi, ce... Pourquoi s'emmerder? Et je pense avec Manfred, je vais aller péter de l'orque. Je vois que ça en fait. C'est qui lui, Freynus le Conquérant, d'accord? Je vais essayer d'enfoncer la tête des orques et éventuellement de leur arracher un traité de paix. Les Stalis, toujours, hein, si j'arrive à faire une alliance militaire avec les Stalis, je vais gagner tellement de territoire au niveau du compteur de victoire que... Il faut vraiment finir l'Empire aussi, c'est vrai. Colonie perdue, ouais, c'est logique. C'est tout à fait logique. Je sais pas du tout ce que ça va donner, je sais pas. Dans trois tours, je peux augmenter cette colonie. Cette colonie, tu sais, c'est Aldorf. Techniquement, c'est effectivement une colonie, hein, y a pas de souci. Maintenant, réduire la... Ah, il souffre d'usure. C'est quoi, grâce à ma corruption, peut-être? Pas sûr. D'accord. Non mais en fait j'ai plus de thunes. Y'a pas de mal. T'es qui toi? Ah ouais, mais le mec il... D'accord. Ok. Je vois le genre. Ouais, I think not, t'es gentil toi. Qu'est-ce que tu fais toi? On va les foutre sur la gueule de l'Empire. Ça passera le temps. Bon, Manfred il recrute, hein. Il a pas fini de recruter lui. Ce que je voudrais bien aussi, c'est... Ah bah attends, je peux peut-être ressusciter des troupes, ça ira plus vite. On va attendre le tour d'après histoire que j'ai de la thune, mais effectivement, on va faire ça. Hein. Effectivement, ça sera peut-être un peu moins... Tu vois? Ouais, tu vois. Altedorf est assiégé. Faut espérer que ça se passe aussi bien que la première fois. Manfred, alors Manfred. Manfred, tu vas acheter en fait. Tu vas pas recruter, tu vas acheter. Enfin, je vais essayer. Ouais, non, il y a que des troupes de merde. Hein. Il y a eu tellement peu de guerre ici que. Bon, bah, eux, ils ont l'air costauds. Ça, c'est de la bonne cavalerie rapide pour intercepter les gens. J'ai du Terror Geist en préparation. Encore de l'infanterie, tu crois? Ça et... Ok. Voilà. Par contre, écoute, on va essayer de t'augmenter ta survivabilité. Tu fais au mieux, gros. Est-ce qu'on peut lui mettre du matos? Ah bah
voilà. Ouais, c'est bien ça. Super. Puis en fidèle, tu peux prendre quoi là? Plus de taux de recherche, ce truc. Attends, t'as pas géré le Dorfkrug alors, dis. Il n'y a pas grand chose à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui faire à ce gros sac? 35%? Non, 18% de chance de l'assassiner. Oh, échec, comme c'est étonnant. C'est pas grave, allez, dégage. Mais je pensais pas pouvoir repousser le chaos. Manifestement, c'est jouable. Combien de temps, je ne sais pas. Ça c'est très bien. Diplomatie, tout de suite. Parce que la diplomatie, c'est le truc que je néglige le plus. Bonjour, Zafdar. Je sais pas, je voudrais juste te faire un bisou, tu vois. Te rappeler à mon bon souvenir. N'oublie pas, mon ami, que nous sommes amis. Ouais, je suis neutre avec, quoi. C'est juste la merde. Et je peux pas lui filer de la thune. J'en ai plus moi-même. Alors, ça se détériore. Ouais. The time for talk is over. Make your demands. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si ça se détériore? Pacte de non-agression, toujours pas. Mais tu sais que tu vas finir par te faire agresser par le chaos. Et là, moi, je serai plus là pour te sauver, mon gars. Chance de succès haut. Bravo, tu as réussi à faire un cadeau à cet homme. Super. Yes. Et bim! Génial. Armure de bonne fortune. Ça a l'air costaud, ça. Ça a l'air costaud. Tu vas un peu tes stats, bro? Vas-y, ouais, voilà, prends du matos, hein, attends. Moi je suis. Voilà, moi mes seigneurs vampires, j'aime bien qu'ils soient badass quoi. Est-ce que je peux résister des trucs cool? Pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Ouais, c'est pas grave, j'en fous. Oh là 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 là, il est en train de se faire pourrir. Oh bah impeccable, allez. They will serve.
Fallait que je refasse une armée pour Emmerich Kemmler, elle est faite. Enfin, elle est faite. Si on peut appeler ça une armée, bien sûr. Eh bah, tiens, justement, avec ton armée de merde, tu vas aller me coloniser tout ce que tu trouves. C'est une armée de squelettes et de zombies, donc effectivement, c'est beaucoup plus intelligent de faire ça avec ça qu'avec des vraies troupes. Quoi on va faire ça. Toi, bah, toi, de toute façon, t'es condamné, tu restes là jusqu'à la fin de tes jours. Quoi, il est déjà mort? Oui, non mais d'accord, ok. Non mais là, vous jouez sur les mots. Ça, c'est important. Lui, bah, lui, il est... Ouais, voilà, quoi. Je veux bien aller là-bas. 10% de déplacement sur la carte de campagne, c'est cool. Ça, c'est quoi? C'est de l'XP pour Maître Nécromancien qui est tout seul dans sa pampa. Le mec, mec, il est tranquille, tu vois. Il faut que je le mette à... Faut que je l'assigne à une armée, lui. Alors... Manfredinou, il te manque 3 troupes. T'as ton seigneur... Non. On va se barrer comme ça, et on va se trouver... T'inquiète pas qu'on va s'en trouver des troupes sur la route. Sur la route, genre le mec il sait où il va et tout, quoi. On s'en fout. Alors on avait dit qu'on n'occupait plus rien dans ce coin-là, bordel. T'écoutes pas quand on parle, toi. C'est qui lui? Aldebras. Ouais, mais ça donne quoi là-bas? Ouais, attends, il y a du monde. Hein. C'est qui lui? Ah, cool. Parce que moi, tant que l'Empire meurt, après, je m'en fous. Donc, si c'est pas moi qui le tue, c'est pas très grave. Franchement. Alors, toi, il faudrait que tu assassines cette date. Merci. C'est pour une quête, hein. C'est pour. N'y voyez rien de personnel, surtout. Oh là là. Lui il bouge pas. Geneviève. Pff, ah la foutre. You dare. The spirits agree. Ok, ça c'est cool là. Et Elmgard. Ah, je crois que c'était là-haut. C'est où Elmgard? Oh, c'est là. D'accord. Ah oui, bah va falloir aller défendre avant que lui revienne. Je vais bloquer l'Empire ici. La progression du chaos ici. Les copains de l'Estalie. Est-ce que ça va mieux? Tu veux être mon copain? Non. Non, je veux pas être ton copain, Krug. Tu pues de la gueule avec tes vampires qui bouffent de l'ail tout le temps. Là. Mmh.
Putain, prochaine partie, je fais des halflings, tu sais. Des halflings gentils que tout le monde adore et tout. Ouais, je dirais que j'ai envoyé Manfred au casse-pipe. Hein. D'où tu viens, toi? Putain, c'est pas possible. Saperlipopate! Saperlipopate le marin! Ça va, ils m'ont pas suivi, je crois. Ah, je l'aime bien, lui. Je sais plus comment il s'appelle, mais je l'aime bien. Là, je vais pas l'aimer longtemps parce que là, il va me défourailler dans pas longtemps. Mais je l'aime bien. Bon, faut sauver le cul de Manfred, c'est important. Non, mais je voulais aider mes copains nains, quoi, c'est bon. M'en fous du Midland, alors je vais te dire. Manfred. Va sauver le cul de Manfred tout d'abord. Il est où? Alors, Echen, tu répares un peu tout ça. Ah bah je peux même. Attends, c'est Echen ou SM qui s'est fait piller? Non, c'est Echen, c'est ça. J'ai plus d'armée ici. Ymir, ces orques! Je ne comprends pas d'où ils viennent, je ne vois pas où ils vont. C'est une catastrophe. Toi, tu level up en te touchant la queue dans ton. C'est plutôt bien. Oh, attends que tu peux level up. Bon, voilà, l'Empire va se faire défourailler ici, c'est sûr. Bon, pour le coup, toi, tu peux aller t'occuper de lui. Hein. Franchement, il n'y a pas de problème, quoi. Ça, on verra tout à l'heure. Je vais laisser les Vargues ou je sais pas quoi s'occuper de nos copains là. Il y a une quête là-dessus normalement. J'ai raté. Super quoi. Le Krug il essaie de faire des quêtes et c'est raté. Emrich Kemmler, tu me bouges pas de là. Toi, tu vas me conquérir ce truc de brin. Ah, j'ai pas de sous! La tristesse quoi. Le mec il a plus de sous. Non mais allô quoi, t'es un comte vampire, t'as pas de sous. Arcaon, il est déjà ici, tu te fous de ma gueule. Non il se fout. Non mais. Sérieux. Je viens de le tuer, il est déjà là. Ça fait pas 5 tours. Sans déconner. Ouais. Qu'est-ce que je te dis? C'est vraiment des garnisons de merde. Attends que je te chope, tu vois. Mais il y aura pas de pitié. Je vais tous vous tuer jusqu'au dernier. Aïe. Est-ce que je lui rentre dedans avec. Est-ce que je lui rentre dedans? Ami viewer, donne-moi des idées. Oui, je sais, tu peux pas me répondre tout de suite en direct. Aïe, c'est ça qui est embêtant avec le let's play, qui est bien plus profitable en live, tu vois. Oui. Rébellion, c'est pas grave du tout. Moi, à la limite, je m'allie avec les rebelles, hein, rien à foutre. Il est où celui que je devais buter? Il est plus là? D'accord. Alors, dis-moi un peu. Sérieux? Ouais, toi, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. 67%, voilà, ça passe. Tu level up pas. C'est un peu insultant, ça, par contre.
Bon, insultant, c'est peut-être beaucoup dire. Qu'est-ce que tu veux nous recruter, toi? Voilà. Je reviens. Excusez-moi. J'ai oublié un petit détail qui a tout de même. Voilà, son importance. Voilà, c'est important. C'est tout à fait très important. Parce que l'abruti du chaos, il est en train de. Archaon, il est là, là. Alors, est-ce que je lui chope les fesses? Je ne sais pas. Corruption vampirique à fond. On en a combien? 75% de corruption vampirique. Dans la province d'origine de l'Empire, quoi. C'est ça qui est kiffant quand même. Même si le reste est beaucoup moins kiffant parce que ça chaud. Ah, et dire que t'en es où toi? Ouais, bim bim. Des PV, de la protection, de l'armure. Hein. Le but du jeu, c'est de ne pas les perdre. Bon, pas les perdre et accessoirement qu'ils arrivent à tuer 2-3 gars quand même, quoi. Mais... Ouais, bah, c'était sûr. C'était sûr. Faut espérer que j'ai pas surestimé l'armée que j'ai ramenée. Mais bon, elle a l'air assez costaud quand même, franchement. Pardon. Je m'en fous complètement de ce truc. Ouais, c'est gentil, mais franchement, tu peux la reprendre du mental. Van Karsten, je dis quoi? Il est mort lui? Je comprenais pas le truc. Mais non. Oh là là là, le mystique de merde. Ostermark, oula, attends. Oh purée. Et voilà, et l'or qui se barre. Il m'énerve. T'es qui toi? Oh, c'est ouais, je crois que c'était lui. Ah bah là, le chaos est sur ma gueule, donc l'Empire maintenant est tranquille. Donc l'Empire va. Oh là là. Je suis seul. Oh non. Oui, je me lancerai pas dans la chanson, vous inquiétez pas. Ah ouais. Sigvald le magnifique. Non, tu vois, tout à l'heure je disais que je t'aimais bien, mais en fait, t'es qu'un con quoi.
D'accord. Ils sont en train de me dire qu'il y a une nouvelle horde d'orques qui s'est levée. C'est du bonheur. C'est du bonheur. Je peux même pas leur parler en fait. D'accord. Alors, les Stalli. Ah, ça se détériore. Alors, par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas des rebelles vampires? Il n'y a pas ça. Non, le qui se lève, c'est pas des copains ça? Attends. Moins 68. Ouais, mais attends, il y a que des trucs en plus là, sérieux. Ah bah, mes relations envers l'Empire s'améliorent, ça c'est cool. Voilà, mon allié, il va me cracher à la gueule. L'Estali va te faire foutre. Ça s'améliore, mais je m'en fous. De toute façon, j'ai jamais été très bon diplomate, hein, faut le dire. Tellement cette ville pieux. Oui, mais prends-la, cette ville, ça fait 10 fois que je te le dis. Serre-toi, tête de cul, Balthazar Guette de Brun. Pourquoi ce bordel de chaos, là? L'armée du chaos ne s'attaque qu'à Tonton Krug. Le chaos n'aime pas les Krug. C'est officiel, je suis désolé, c'est officiel. C'est quoi ce drapeau en forme de Minotaur? C'est encore des nouveaux Gogol? Pardon. Tu vas où toi? Ça c'est pas grave. C'est pas grave, je viens de te dire. Ça c'est déjà beaucoup plus grave. Sigvald le Magnifique, ouais d'accord. Ready. Obliterate. Vraiment. T'as rien plus à recruter. Attends, on va te faire. C'est quoi ça? Cavalerie, hein? Cavalerie de choc. Okay. Elle est là. Oh yes. J'ai réussi à assassiner Sigvald le Magnifique. Ça le fait quand même. T'as attaqué où là?
Eliard, c'est où ça? Ah ouais, d'accord, ici c'est pas grave. Bah c'est... Bah puis là ils sont passés. C'est quoi? C'est des ennemis aussi eux? Ah non mais faut foutre la paix là sans déconner. Oh non, toutes les incursions ennemies dans mon territoire. Le truc de fou. C'est la folie ce truc. C'est où ça? Ouais, c'est juste à côté de machin, d'accord. Hop, on va lui régler. Il se fout de ma gueule. T'es à côté, quoi. Ah, oh, puis là, j'ai Archaon qui va s'en donner à cœur joie là-bas. Aïe, 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 comment je fais? Amis viewers, je vais te laisser là pour cet épisode. J'espère que cette PLS intercontinentale te plaît, parce que là, pour le coup, j'en prends vraiment, vraiment, vraiment plein le fion. D'accord. Donc il y a l'Osterland qui se réveille du... qui vient de nulle part, avec des putains d'armées. D'où tu viens, quoi? D'où? Ouais, le truc c'est ça quoi, c'est que le chaos n'est plus présent au nord. Il n'y a plus de chaos. Il y a quelques tribus comme ça là, mais y a le chaos il est plus là. Ce qui fait que l'Empire bah, commence à faire la fête. L'Estalie qui a pas voulu qu'on s'allie, bah alors regardez, ça c'est à lui, ça c'est à lui, c'est à lui. Il est en train de se faire défoncer. Là, ils ont fait un trou au niveau d'Elmgart, que j'aurais dû défendre bien plus tôt. Donc ils l'ont défoncé, puis derrière, bah voilà. T'as des incursions du chaos à gauche. Ok, amis viewers, des gros bisous, à la prochaine, ciao ciao.